Bonjour à tous les amis, ici Yanamu, et bienvenue pour ce 21e épisode! Oh yeah! Donc aujourd'hui, mission Aurora, mission on craft tout ce qu'il nous faut, et notamment la combinaison en anti-radiation. Donc plaque de plomb x2, maille de fibre x2. Voyons voir ça, plaque de plomb dans un premier temps. Pile x2, bon ben ça je pense qu'on va avoir le nécessaire. Nickel. Voir que j'ai même pas vidé l'inventaire de la dernière fois. Hein. Plaque de plomb, donc on va plaque de plomb x2. Voilà. Maille de fibre x2. Ah. Alors maille de fibre. Je crois que ça se fait avec de mémoire. Juste des petites plantes. On va sortir en chercher. Désormais, oui, il est beaucoup plus pratique de sortir par là, clairement. Donc ici, il y a toujours la salle multifonction fantôme. Apparemment, c'est elle qui est mal cadrée. Ouais, maille de fibre. On va en prendre 4 ici. Et 2 ici. Voilà. Histoire de pas abîmer non plus trop les plantes. Ah, décidément, il y a ce bug-là de placement des trucs qui est assez problématique. Heureusement, ça me gêne pas quand je passe dans les couloirs, mais... Alors, mon crafter, il est où? Allez, maille de fibre x2, bon, c'est très bien, pour en faire 3 même. Et logiquement, on a tout ce qu'il faut pour faire la... combinaison anti-radiation. Voilà. On va également se faire un thermomètre. Il faut juste un circuit intégré pour ça. Donc pour un circuit intégré de mémoire, c'est corail plat x2, argent et quartz. Corail plat. x2. Argent. On va en prendre 2. Quartz, on va en prendre 2. Ah, je fasse gaffe au quartz d'ailleurs. Ah oui, si je le crafte pas avant aussi, hein. Cercle intégré. Ouais, c'est qu'un argent et un quartz, ça va. Le thermomètre. Qui n'est pas modélisé d'ailleurs. Et qui vient se mettre ici en fait. Combinaison, gants anti-radiation et des palmes classiques. Ok. Tant qu'on y est. Dans les équipements, là, il y a la distille aussi qui peut être sympa, mais surtout... ça. Kit de câblage, maille de fibre. Kit de câblage, c'est... minerai d'argent x2. L'argent, il va falloir retourner en chercher, hein. L'argent, clairement, il va falloir retourner en chercher. Voilà. Tant qu'on y est, on pourrait peut-être se refaire une soudeuse. Quoique, je sais pas si on peut recharger la... je pense qu'on doit pouvoir recharger la pile, non, de la soudeuse. Hein, vous en pensez quoi? Ouais, je pense qu'on doit pouvoir. Bon, ça, on va le laisser là. La batterie haute capacité, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va reposer tout ça. Et on va également crafter d'autres choses. Alors, on va essayer de se crafter un outil. Le fusil à stase. Kit de câblage avancé, pile titane. Alors, kit de câblage avancé, c'est un kit de câblage, c'est un circuit intégré avec deux ors. Corail plat x2. Un argent. Deux ors. Deux d'or. Et un quartz. Ok. Donc circuit intégré et derrière
câblage avancé. Voilà. Aujourd'hui, c'est du craft, les gens. Aujourd'hui, ça change, c'est du craft. Ensuite, il faut quoi? Une pile et du titane. Une pile, ça c'est simple. Et un titane. Ah, peut-être crafter la pile avant. Voilà. Et là maintenant, oh, on peut aussi faire l'échantillonneur si on veut, ou le canon à propulsion. Mais là, ce qu'on veut surtout, nous, c'est le fusil à stase. Oh yeah! Il est beau, il est là. Ah oui, bien le bug. J'aime beaucoup. Ok, donc ça, désormais, ça fait partie de notre inventaire de base, hein, voilà. La soudeuse, j'ai peur que la soudeuse me lâche complètement en cours de route. Elle est plus qu'à 30% d'énergie, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même s'en crafter une autre. Pour une soudeuse, il faut du magnésium, poudre de potion explosive titane. Le magnésium, c'est du sel de mémoire x3. Donc sel x3. À poudre explosive. Voilà. Et il me semble avoir vu titane. C'est pas là, c'est là. Donc magnésium. Poudre explosive titane. Voilà. Et tant qu'on est là aussi, j'aimerais faire le cutter laser. Donc pile, diamant et titane. C'est pas là, pile. Je cherche le cuivre. Voilà. Pile, diamant. Et titane. Oui, là on craft tout ce qu'on a besoin, les gens. Clairement, là on craft tout. Le cutter laser. Voilà, il permet d'ouvrir et nous permet de pénétrer notamment dans toutes les, dans tous les trucs. Des fois qu'il y en ait besoin, je le prends sur moi. Alors, dans les équipements, je vais laisser le constructeur d'habitat. Je garde tout ça comme ça, ouais. 1, 2, 3. 1, 3. Voilà. Et là, je pense, ma foi, qu'on est plutôt bon. Je sais pas ce que vous en dites, vous, mais moi, je pense qu'on est plutôt bon. On est même plutôt très, très, très bon. Allez, eh bien, les amis, nous sommes partis en direction de l'Aurora. On va se prendre un deuxième kit médical sur nous, on sait jamais. Ah, ouais. Et on est parti. Alors, de mémoire, l'Aurora, elle est par là-bas. Nickel. On est parti enfin au bout du 21e épisode. Je me décide à aller faire l'Aurora. Non, mais je sais qu'il n'y a aucun respect, hein, voilà. Hein. Je vous le dis, il n'y a pas de respect. Il n'y a strictement aucun, aucun, aucun respect. Je me disais bien aussi qu'il y avait un truc qui allait pas là. En même temps, on explore parce que cette zone-là, j'avoue qu'on n'y est jamais allé. Donc, il doit y avoir des trucs encore partout par terre et tout. Quand on parle de débris, on en voit la queue. Ben, celui-là, on va aller se le faire, les gars. Ouais, celui-là on va essayer de le faire. Il est pas profond. Il est surtout totalement vide, hein. Mais quand je dis totalement vide, c'est totalement vide. Là, il n'y a rien à prendre. Il n'y a absolument rien là-dedans. Il est vide. Ah ouais, il est totalement vide, ouais. Ok, d'accord.
Non, mais d'accord, les gars. Si le premier truc que vous me proposez est totalement vide, moi j'y peux rien. Hein. Voilà. Ouais, totalement vide. Ok. D'accord. Y a juste des petits poissons dedans. Ouh. On est proche. Naturellement, ici, il doit y avoir des débris un petit peu plus prononcés partout. Ouais. Je regarde en même temps s'il n'y a pas des plans par terre, des trucs comme ça, quoi. Parce qu'il va rapidement également aller falloir chercher l'améliorateur, là, le fabricateur. Olé. Non mais les gars, si vous poupez un sauvage à côté de moi, ça va pas le faire, hein. Ah, il y en a un là. Il y en a un là. Nous avons un petit débris. On va aller l'explorer. Bugué ça encore. Une pile. Et ici, un kit de soins. Ok, y a rien à scanner là-dedans? Genre ça là, non? Je suis à peu près sûr qu'il y a quelque chose là-dedans, mais j'arrive pas à le voir. Bref, c'est pas grave. Oh, on est vraiment très proche de l'Aurora. Belle photo ici à prendre. Hop. Ah oui, non, mais moi je prends des photos, les gars. Je prends des photos, vous le savez, hein. Il n'y a aucun respect là-dessus, vous le savez. Je prends des photos. J'aime beaucoup prendre des photos. Nombre de débris qui est ici. Par contre, il n'y a plus aucune vie animale. Hein. Les trucs, ils sont morts, quoi. Ah si, il reste un air-sac ici. Lol. C'est pas celui qu'on vient de faire, ça? Non, c'est un autre. Ok. Non, il veut pas. De l'eau désinfectée, ça tombe bien, j'avais oublié de manger avant de partir. Et de l'eau désinfectée, bah, ma foi. Hop là. Une plante méduse. Et c'est des toutes petites graines. Et je peux la ramasser. Ah, c'est de la nourriture. Ok, c'est un petit peu de nourriture, ma foi, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein? Y a plein de caisses comme ça, c'est rigolo. What the fuck is that? Oh, je crois que je suis dans la merde. What? Il a pas l'air très amical, lui. Non mais je te les laisse tes caisses mon chéri, je te les laisse. Promis, j'y touche pas. I swear, j'y touche pas. Ah ouais. Elle est pas amicale la bestiole. Pas du tout amicale. M'a fait peur ce truc, purée.
comment il m'a trop fait peur, quoi. Ah ouais, le truc, il m'a trop fait pipi. Comment il m'a fait flipper, ce con, putain. Oh là là. Ah, comment il m'a fait flipper. Mais je crois que j'ai bien fait d'équiper le truc là qui permet de se défendre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je crois que j'ai vraiment, vraiment bien fait. Bon, mais c'est bon, les gars, en kit de soins, elle va être blindée, hein. Bon, mais ce coup-ci, pour ceux qui le voulaient, on a vu le Léviathan, je crois, de près, de très très près. Y a quoi au fond là? Waouh, ça tremble et tout. C'est encore un bug ou c'est moi qui... Ah, ça descend ici. Hein. Waouh, ça descend grave. Hein. Oh. Je sais pas si c'est fait exprès cette descente, mais elle descend, mais grave le truc. Ah non, il y a un fond. Charge un peu, s'il te plaît. Non, il n'y a rien à charger là. Il n'y a pas des plans, il n'y a pas des trucs ici là, non? Oh, ça abîme, mais il y a quand même le sol dessus. Wow, ce sol noir là. Wow. Oh, mais c'est une grotte. Hein. Oh, mais c'est un sol volcanique. Oh. Intéressant. Et super intrigant. Super, super intrigant. Le fait que ce soit une grotte comme ça. Ah ouais, c'est une grotte volcanique. Je crois qu'on a trouvé un nouveau biome, les gens, c'est une grotte volcanique. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. On va remonter et on va aller se faire un Aurora. C'est pas rassurant. Je suis où là? Au juste. Ah ben c'est bon, je suis à l'entrée. C'est beau ici. C'est magnifique, hein. Allez, prenons notre courage à deux mains et allons-y. On va essayer de se faire toutes les fournitures. Je crois que j'en ai raté une ou deux, non? Non, ça va. Je dirais pas. C'est bien, on trouve vachement de flotte, mais il doit y avoir des trucs à scanner ici, obligatoirement. Enfin, je pense qu'il y a des trucs à scanner, j'espère. Oh, la batterie haute capacité, viens ici, Léon.
le signal. Cool. Hop là, la petite sauvegarde quand même, hein. Voilà. Ouverture de grotte possible. Ok. On a un signal. Bon ben les amis, vous savez quoi? Vous savez quoi? C'est la fin de l'épisode. Yeah. On va se mettre dans notre petit rayon d'action ici, là. Paf, voilà. Et je vais vous laisser là. Et ouais, en mode vieux sac! Complètement vieux sac. Là, je suis entièrement d'accord avec vous, les gens. C'est une honte. C'est un scandale. C'est indescriptible, mais je vous laisse là. Hop, je sauvegarde, quand même, hein, voilà. Bah écoutez, j'espère que cet épisode 21 vous aura plu. Nous sommes à la 21e minute de record. Et je vous laisse là. Ouais, ouais, en mode vieux sac. Mais totalement vieux sac. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me donner toute votre haine et votre amour sauvage. Hein, voilà, on va appeler ça comme ça. Naturellement, pensez au pouce rouge en dessous de la vidéo. Hein, voilà, parce que cliffhanger. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, ciao ciao les gens.